Aujourd'hui, le chapitre 4 est enfin arrivé sur Fortnite et il y a eu énormément de choses qui ont été ajoutées. On va découvrir tout ça ensemble. Il y a même de la moto, les gars. Mais regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez-moi en mettant le code Gugu. GUGU dans la boutique de Fortnite, un des codes les plus simples au monde. Likez cette vidéo en bas, abonnez-vous, mettez la cloche et suivez-moi sur les réseaux Instagram, Twitter et TikTok. Vous connaissez ma chaîne Gizmo, mais le saviez-vous, j'ai une deuxième chaîne, Gizmo 2. Ouais, je suis allé chercher original. Et sur cette deuxième chaîne, les gars, je refais du bon vieux multigaming comme à l'ancienne. Je peux faire du GTA, du Valorant et beaucoup de jeux. Mais surtout du Roblox. Ah bah j'aime bien. Donc si vous voulez me voir sur plein d'autres jeux, allez vous abonner. Le lien est en première ligne de description. Merci à tous. Les amis, on se retrouve sur le chapitre 4 de Fortnite. Regardez, c'est incroyable. La map, elle est juste là-bas. Et là, c'est le départ du bus de combat. Oh, il commence à s'activer. Oh, il nous propulse. Non mais c'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de fou, regardez. Il va nous emmener directement sur la map. Oh, wesh. Il met les turbos. Oh, et on va directement, regardez, c'est le nouveau bus de combat. C'est la première fois, les amis, en je sais pas combien d'années que bah, le bus change tout simplement à ce point-là, les gars. Ouah, il a l'air d'être parti pour rester là. Attendez, mais regardez la map, les gars. Regardez la map, elle est incroyable. Elle est détruite à mort. Où est-ce qu'on va? Je sais pas où aller. Le milieu de map, normalement, c'est le plus intéressant, mais là, je connais rien du tout, les amis. On va découvrir tout ça ensemble. Ça va être un truc de fou. Attendez. Il faut qu'on se trouve un endroit quand même assez paisible. J'ai l'impression qu'aucun endroit ne va être paisible. J'ai l'impression qu'il y aura des joueurs partout. J'ai envie de découvrir ça tranquille. Et les serveurs galèrent un peu là. Les serveurs sont un petit peu en galère. Bon les amis, j'espère quand même que ce chapitre 4 va nous réserver de très belles choses comparé à l'événement qui nous ont fait subir entre guillemets. Franchement les gars, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi j'ai pas été trop fan de l'événement. Oh, attendez, je crois qu'il y a du monde en dessous de moi. Mais attendez, mais c'est quoi ces armes? Oh les gars, mais c'est quand on récupère des armes? On dirait des armes de GTA. Attention les gars, j'ai très peur. Oh mais attendez, mais c'est quoi ces armes là? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un fusil à pompe? Wow, ouais, mais attendez, mais non, mais moi je pensais qu'on allait retrouver des vieilles armes. Mais pour l'instant, je vois que des nouvelles. Je crois qu'on avait déjà le petit mini Uzi là avant, mais. Oh, c'est quoi ça? Fusil à pompe automatique. Ah, j'ai cru qu'ils avaient changé un peu le bruit des coffres. Oh! Let's go, le retour de l'Ascar. Incroyable. Oh, let's go, le retour de l'Ascar, les gars, je l'avais dit dans mon son, le retour de l'Ascar, c'était sûr. Oh là là, trop bien. Oh là là, l'Ascar verte en plus, mais ça fait si longtemps. Non, c'est un truc de ouf, les gars, c'est un truc de ouf. Là, ils nous ont promis beaucoup de choses, déjà, avec le trailer, la cinématique, les amis. Ils nous ont promis beaucoup de choses, déjà, on devrait avoir les motos qui vont arriver. On devrait avoir Hulk aussi, beaucoup de choses devraient arriver. Les motos, Hulk aussi, Geralt de Rive, le skin de Geralt de Rive, normalement, qui devrait, qui est là et qui sera disponible dans je sais plus trop combien de temps. Oh là là, l'Ascar en bleu, mais oh là là, mais ça date. Mais quelle époque. Mais attendez, mais ça par contre c'est quoi? C'est un pompe. Ok, bon, on va tester ce pompe là, c'est pas très grave. C'est quoi? Survivre jusqu'à des renforts soient disponibles. Alors attendez, apparemment j'ai survécu jusqu'à ce temps là, du coup j'ai le droit à un truc. Spécialiste des arcs, traces sanglantes. Les ennemis touchés par votre fusil de précision seront brièvement marqués des arcs. Les arcs tirent et se rechargent plus vite. Attends, on va prendre ça. Attends, j'ai le droit à ça. Bah merci beaucoup, ça fait super plaisir ça. Bon, on va aller voir les gars, on va essayer d'aller trouver des méchants. Apparemment mes tirs maintenant peuvent tracer les ennemis. Non mais c'est incroyable. Oh, en plus ça se bagarre par là-bas. On va aller voir ça les gars, on va aller voir ça. Hey, chapitre 4 me voilà. Attendez, mais j'ai un peu peur, c'est quoi cette ville les gars? J'ai l'impression qu'ils ont fait un mix de plein de villes. Déjà quand on voit sur la map, c'est divisé vraiment en plein de styles différents. Oh, ok, il y a toujours un petit peu les petits sangliers, la faune et la flore. Et je crois aussi qu'on aura des dinosaures, donc faut faire très attention à ça aussi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, j'entends des trucs, j'entends des bruits que je ne connais pas. Oh là là, mais c'est quoi cette ville de fou? Y'a quelqu'un, il m'a vu? Oh, les bruits des pas ont changé. Les bruits des pas qui courent ont changé aussi. Les gars, j'ai un peu peur, je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur. Il faudrait que je fasse mon premier kill du chapitre 4. Ah! Mais attends, mais il me tire quoi? Il me tire des trucs bizarres dessus. Wesh! Attends, mais c'est quoi? Mais ils sont malades, ils me tirent des trucs bizarres. Mais qu'est-ce qu'elle me tire dessus? Mais elle essaye de me faire de la sorcellerie. Mais elle est super bizarre. Mais c'est quoi son arme? Les gars, c'est quoi leurs armes? Attends. Faites pas ça, vous êtes trop chelous, vous. Ils sont trop chelous, ils ont des armes bizarres. Attendez. Ok, je vais prendre l'ascendant. Qui veut chercher la merde? Qui veut se bagarrer? Alors, qui veut se bagarrer maintenant? Sont là, les bagarreurs. Ah, bah te voilà. Tu veux te battre? Non, j'ai mis 0 balles avec l'Ascar encore. Mais c'est quoi son arme? Non, mais attendez, je suis pas du tout pour. Ah! Non, qu'est-ce que c'est ça? Ça me fait voler, ça va, je suis pas mort. Laisse-moi en vie. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Mais voilà, oh, elle se fait attaquer. Oh là là, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui m'attaque comme ça? Je reste caché là, c'est n'importe quoi, les gars. Mais je sais pas, elle a chopé une arme trop bizarre. Elle a chopé un sceptre, je sais pas ce que c'est. On dirait c'est une arme, un sceptre, je ne sais pas ce que c'est. On m'attaque avec des trucs bizarres, il y a des armes bizarres ici. Mais il y a un bowling en fait à côté, c'est trop bien. Les amis, pour l'instant, j'ai l'impression. Oh, il y a. Oh, ça se pète en haut. Les amis, je comprends pas encore. C'est quoi, spécialiste, archi? Ah, mais je sais pas, peut-être que c'est un arme. Vas-y, bon, je prends ça. Ah, oui, d'accord. Allez, on le défonce. Non, mais il m'enlève trop de vie à chaque fois. Mon arc.
Ouais, mon premier kill à l'arc. Oh là là. Ce que je viens de lui mettre. Attends. C'est quoi son sceptre là de fou? Hop, on prend ça, je suis curieux. Attends. Laissez-moi vivre un peu. Hop, attends, mais il a un sceptre de fou. C'est quoi cette arme de fou malade? Oh la dinguerie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh les là, c'est Tark qui m'a sauvé, les gars. C'est Tark qui m'a sauvé, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Oh, l'arc sauveur. Oh non, ça sent la guerre aussi. Les gars, souvenez-vous, si vous vous souvenez, les gars, j'étais hyper fort à l'arc. Mais là, il m'a sauvé la vie. C'est un rappel à l'ordre pour les joueurs. Fallait pas me redonner les arcs, moi ça y est, vous êtes finito maintenant. Mais du coup, attendez, c'est quoi ce sceptre là? Mais c'est quoi, c'est un marteau? Mais c'est quoi ce truc de fou? Les gars, c'est quoi cette arme? Comment ça s'appelle? Marteau à onde de choc. Mais ça se trouve comme ça, genre? Wow! Pardon, je voulais pas! Pardon! Je sais pas ce que j'ai fait! Autant pour moi, j'ai cassé quelque chose. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû, je crois. Ça, on peut donner des coups comme ça. Ah ouais, mais d'accord, ça casse pas le mobilier, ça onde de choc juste un peu. C'est bizarre, les gars. Il faut apprendre à utiliser ça bizarrement. J'ai l'impression qu'ils ont changé le design un peu des coffres. Oh, une nouvelle boisson, sirop de slap. Qu'est-ce que le sirop de slap? Oh, c'est stylé, l'anime, elle est stylée. Ok, ça donne quoi? Et ça donne encore un peu plus vite. Ah ouais, ça fait courir à l'infini, d'accord. On perd pas de. Vas-y, bah c'est cool, on va aller vers la prochaine zone. Eh bah merci beaucoup, madame. Oh, attends, il y a des quoi? C'est quoi que j'ai vu là-bas? Il y a une onde de choc qui est partie de là-bas. Dégage! Bon, à moi de sauter! Wouhou! Attendez, je vais essayer de l'attaquer avec ça! Oh! Oh, il y a le retour du lance-roquette! Non! C'est pas ça que je voulais faire! Pardon! Wow! Attendez, il faut que je m'évade! Ah oui, mais c'est bien pour s'évader ça en fait! Oh, j'ai compris, je me casse en fait! Mais c'est comme ça, c'est à ça que ça sert! Les gars, c'est à ça que ça sert pour se barrer en fait, le marteau de fou là. C'est pour se barrer si vite. D'accord, moi je pensais que c'était pour attaquer ça. J'ai fui si vite en fait, je suis en fuyard. Non à la bagarre. Wow, on est déjà plus que 16 les gars. J'aurais fait un kill à l'arc. Déjà, attends, il y a le retour des arcs, le retour de l'ascar, mais c'est un truc de fou. Je pense que je risque de bien aimer là. Là, je risque de bien aimer cette saison. Oui, je dis ça, oui, je le dis. Les gars, il y a les arcs. À partir du moment où il y a les arcs, moi je suis très très content. Oh, il y a le. C'est quoi ce fusil? Ah, mais c'est ça que j'entendais. Attendez, j'entendais ça tout à l'heure. Ah, mais ça tire des épées. Et ça explose. D'accord, mais attendez, mais... c'est bien ça aussi que j'entendais tout à l'heure, on me tirait dessus avec ça. Mais oui, il avait le combo, je crois. Je crois qu'il avait le combo, le fusil Excalibur comme ça, et le marteau onde de choc. Mais c'est un truc... Wesh, mais c'est quoi ce coffre, les gars? C'est quoi ce coffre de fou? Fouiller, mais attendez, j'ai pas envie de fouiller ça, j'ai pas le droit, ça peut pas m'appartenir, tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Ah bah oui, un marteau onde de choc, c'était sûr. Voyons voir un petit peu le fusil Excalibur, comment il fonctionne avec son épée explosive. Attends, tu peux rien pour attendre, toi. Oh, je l'ai touché, moins 50. Et boum! Ok, d'accord, donc ça met du moins 100 en fait. Si on le touche, ça met du moins 100. Attends, si je le fais péter là, ça le touche? L'explosion le touche pas? Je vais te la remettre à l'arc! Oh! Attends, je vais le faire péter, je te jure, je vais le faire péter avec l'épée! Non, quelqu'un l'a tué pour... Mais non! Tu oublies que je suis un expert à l'arc! Oh, il arrive! Oh, il arrive avec le marteau onde de choc, il me fait un peu peur, les gars! Bon, et je vais pas vous mentir, il me fait un peu peur! C'est un malade, il a l'air d'avoir déjà joué. Il a déjà joué beaucoup. Laisse-moi tranquille! Espèce de fou malade! Oh, je peux me cacher là-dedans? Ils ont mis des nouveaux trucs pour se cacher, croyez-moi que je reste là-dedans. Oh, comment il savait? Je m'évade. On est plus que 7 en vie. Ils m'auront pas comme ça, les amis. Ils m'auront pas comme ça, on est plus que 7. Le top 1 est à portée de main. Hop là, allez, on se met bien, voilà, on est toujours 7. Où est-ce qu'on est ici? On est à Faulty Split. Mais les gars, j'aurais découvert que ça comme environnement. Les gars, j'aurais totalement pas trop découvert la map. En même temps, je suis allé à l'endroit où il fallait aller dès le début. Là quand même, les gars, on découvre un petit peu les nouvelles mécas, les nouveaux systèmes de jeu. Oh, la bagarre là-bas. Oh, Oh, mais je balance des explosions. Oh, ça l'a marqué. Oh oui, ça l'a remarqué. Boum. Oh oui, c'est bon, j'ai eu le kill. Oh, let's go. Attention sur la tyrolienne. Oh la dinguerie. Oh, mais il y a moyen de placer des bons tirs avec ce truc, hein. Oh, mais on est plus que 3, les gars. Eh, allez, vas-y, moi, je vais faire ma petite base là-bas. Je vous laisse vous entretuer. Et hop, et je me fais le dernier. Oh, les gars, imaginez première game. Parce que vraiment, je n'abuse pas, hein. C'était première game, là. Attention, vous l'avez vu sur la map que j'ai découvert. Première game. Si, c'est top, hein. C'est incroyable. Attendez, y a quoi? Y a un PNJ? Moi je découvre, hein. On est en fin de game, fin de zone. Eh, hey, mais non! Mais battez-vous entre vous là-bas! Vous êtes sérieux? Mais en plus, je suis teubé, je suis parti de la zone en fait. Et là, avec la chance que j'ai, légendaire, et ben, je vais arriver sur l'autre mec. j'ai perdu mon arc, onde de choc. Oh, j'ai le seum. Oh, je suis foutu! Je suis foutu, mais non, mais en plus ça bug, mais les gars, mais qu'est-ce qu'il voulait celui-là? Oh, il y a une moto! J'avais pas vu! Oh, la dinguerie! Il y a une moto! Oh, ils sont trop stylés! Bon, les amis, en tout cas, on en aura pas mal appris sur ce chapitre 4. Je pense que ça promet d'être assez incroyable. Et merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Bien sûr, soutenez-moi en mettant le code GUGU dans la boutique de Fortnite. Si vous prenez le pass de combat, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez la vidéo en balle. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut!